Et oui, les mots sont des choses. L'univers entier fonctionne comme un immense jeu de mots. Et pour que ce jeu de mots puisse être apparent, il faut créer du désordre. Et l'exposition était en quelque sorte l'image de ce désordre, où le monde se métamorphoser, se métaphoriser sans arrêt. Ce désordre, ce chaos de l'exposition, c'est encore Aragon qui en a le mieux parlé. Personne, écrit-il, ne sait mieux que Godard peindre l'ordre du désordre. Le désordre de notre monde et sa matière, à l'insu des villes modernes, luisantes de néons et de formica, dans les quartiers suburbains ou les arrière-cours, ce que personne ne voit jamais avec les yeux de l'art, les poutrelles tordues, les machines rouillées, les déchets, les boîtes de conserve, des filins d'acier, tout ce bidonville de notre vie, sans quoi nous ne pourrions vivre, mais que nous nous arrangeons toujours pour ne pas voir. Et de cela, comme de l'accident, et du meurtre, il fait la beauté, l'ordre de ce qu'il ne peut en avoir, par définition.